Je suis titulaire d'un master professionnel de la prestigieuse université École supérieure d'informatique du Burkina. Je suis le directeur des services informatiques et par ailleurs coordonnateur technique du centre de compétences en recherche et en éducation numérique de l'université Joseph Kizerbo du Burkina Faso. Nous sommes présentement à Dakar, plus précisément à l'ESP, à l'École supérieure polytechnique de l'Université Cheikh Anta Diop, dans le cadre d'une mission d'apprentissage sur les questions de MOOC, la conception, l'élaboration et la diffusion des MOOC au profit de l'enseignement supérieur. Dans le cadre de notre séjour et particulièrement dans le cadre de la formation, nous avons beaucoup apprécié le dynamisme, le professionnalisme de nos encadreurs et surtout de l'environnement dans lequel nous sommes et pour les apprentissages. Nous avons également apprécié le séjour à Dakar et comme vous le savez, nous sommes toujours en Afrique et les Africains sont donc reconnus dans ce cadre de la fraternité, dans ce cadre donc de l'accueil chaleureux et dont nous avons bénéficié. Et ce que nous avons également appris ici, c'est nouveau pour nous et nous pensons que cela va être bien évidemment au profit de l'Université Joseph Kizerbo. Dans notre institution, nous avons envisagé, nous avons commencé déjà la mise en place d'un centre de compétences en recherche et en éducation numérique. Et cela va participer au développement des MOOC, non seulement des cours en ligne, dans lesquels nous sommes dans un processus de formation des enseignants et de formation de la communauté universitaire pour qu'ils prennent en main le numérique dans les apprentissages. Et ces MOOC-là vont venir appuyer fortement l'enseignement via le numérique. Et cela va être bien évidemment au profit des étudiants. Et comme vous le savez, nous sommes dans un contexte également d'effectifs pléthoriques dans nos universités. Et les MOOC vont soulager un tant soit peu la vague de nouveaux bacheliers que nous voyons chaque année arriver dans nos universités, alors que les capacités d'accueil, les capacités d'encadrement ne suivent pas le plus souvent.